500. Et pour la nuit? Je ne sais pas. Tu parles du fric? Non, quand même, je ne le fais pas. J'ai pas le droit. Ça te détruit? Je m'étais promis une fête. Alors? Non. J'ai peur que ce soit trop court. Comme tu veux. Si vous voulez, puisque vous êtes pressé, vous pouvez monter ensemble. Moi, je m'en fous. C'est à vous. Et moi aussi, je m'en fous, à condition que je ne sache pas un truc. Je les prends deux par deux maintenant. Chacun en fait 10 quand j'en fais un. Oui, je ne sais pas si ça m'est jamais arrivé, ça. Oh, j'adore le matin. Les ouvriers font un grand détour pour venir nous voir avant d'aller travailler. Une rose à la main. Oh, ça fait rien. Ça leur fait les yeux. Ça leur fait les yeux pareils. Tant pis, j'y vais. On a l'air. Tu dors. Ce petit poisson qui suit les gros pour profiter des rêves. Oh non, mais t'exagères. Non, j'en sais rien, on me l'a raconté, hein, dans les voyages. Les voyages, je comprends pas. Quel rapport? Ah oui, je sais, ça s'appelle les poissons pilotes. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est des poissons pilotes, ceux qui conduisent. Je t'assure, des poissons pilotes. Du coup, de pilotes. Ouh, c'est curieux, je sens que ça va faire une journée bizarre aujourd'hui. Et dis donc, 35, t'as pas vu Rosa? Mais elle est en main, mon fou. Dis donc, à propos de moi, t'as vu les miennes? Il n'y a pas encore de marguerites, elles sont fines, délicates, expertes. Ok, on y va. Elle m'a soufflé sur mon nez. Allez, Julien, mate un peu tes cannes. Ouais, plutôt BCBG, les petits, plutôt des petits pas, non ? Ça s'appelle des rémoras. J'espère que j'ai pas fait naître une vocation. C'est Lola qui avait peur que je le tripote. C'est lui qui a pas arrêté. Ah, mais alors, ça donne pas des boutons, que je sache. Pourra revenir ? Mais bien sûr, vous donnez un petit coup de fil au standard. Vous dites pour Rosa, et vous dites Laure aussi. Mais pas plus de deux, hein. Des fois qu'ils vous viendraient des idées. Et attention au sida. Elle n'est pas là, Rosa. On va préparer un écriteau comme pour la concierge. Rosa est dans l'escalier. Rosa revient de suite. Et là, ce serait quoi? Respire. Et puis tu sentiras son parfum. Non, 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 non. Ça ne nous dérangera pas. Non. Au revoir, monsieur. Petit à petit, je retrouverai la bonne heure, et comme ça, j'aurai gagné un jour. Mmh.
C'est très beau, mais ça encombre. Attends-moi qu'elle l'ait vu. Mais elle le fera aussi bien si jamais derrière. Gilbert sera pas content. Tu crois peut-être que j'ai les poisons, Gilbert? Non. Oh, je suis corse, moi. Et les corses, c'est pas des têtes de turc. Exact. C'est des têtes de mules. Mmh. Ça, je dis pas. À force de vivre avec elle, il peut y avoir eu osmose. Tu vas être de bonne humeur, Gilbert. Tu dois en prendre de la graine, ma petite Yvette. Oh, mais laisse-moi le temps, par exemple, à faire un jour. Oh, mais regardez-moi ça. J'ai pensé pour cet hiver. Il y a des sols vraiment pas mal aux fourrures. Mon vélo commence à fatiguer. Ouais, c'est Pierrot, tu veux dire, que je passerai. Je suis en compte avec lui. Oui, je sais. Mais j'aimerais bien qu'il vienne avec moi pour choisir. La dernière fois, on a... Hé, tu me charries? Non, je sais même pas comment on fait pour charrier. C'est bien pourquoi je te le demande. J'ai l'impression d'être une dame qui était là. C'est pas que je t'épouse, hein? C'est ça, le propre. Pour mes 20 ans, ma chérie, j'ai eu le plus beau cadeau du monde. J'ai rencontré l'amour. Et depuis, je sais plus ce que j'en ai fait. Thank you.
c'est mon anniversaire ce midi. Juste une aile. Bon, bah viens, tu feras semblant. Ok. Tu te prépares. Bon, ok. Bon anniversaire. Et pour me faire pardonner d'être en retard. Parce que tu sens bon. C'est pas moi. C'est le canard. Le canard à l'orange. Tiens, l'orange. Que tu m'avais abandonné, que la banque avait fermé plus tôt, qu'on m'avait volé dans le métro. Tu mens! Tu mens! Tu as fait du plat du talon. Oui? Dis-moi ce que tu t'es fait. Je t'interdis. Ce qui m'a tenu, c'était une action que je suis toujours. Enfin, je veux dire que j'ai jamais connu personne d'autre que toi. Tu sais bien, mon amour. Et après ce bouquet. Et puis non, donne-moi. Regarde ce que j'en fais. Bouquet d'hypocrite! Je t'ai trompé, Rocky. C'est pour ça que j'étais en retard. Je t'ai trompé avec une pute. Avec une pute. Pendant que je finirais le canard. Oui. Pendant que je me préparais pour toi. Déshabille-toi. Ah non, pas ça. Déshabille-toi. T'as pas dit que tu le connaissais. Un petit peu en 50 avec un ceinturon, des fringues de surplus. Je sais pas si c'est du surplus, mais parle tout le temps de l'Algérie, d'une cité reconnue là-bas. Alors, Mataf, tu peux quelque chose? Bah, si c'est celui que je crois, il n'est pas du milieu. Yvette a raison, c'est un dingue. On peut le convaincre facile. Ça fera pas d'histoire avec personne. Mais c'est incroyable, il reviendra. À moins que Gilbert. Trouvez-moi son pédigré. Je le ferai raisonner. Il faudrait pas qu'il soit mouillé politiquement. En ce moment, je peux pas me permettre d'en faire avec qui que ce soit. Bah, il raconte qu'il est anarchiste. Il va connu par-ci, il va connu par-là. Il n'est pas méchant, c'est pas qu'il boive, quoi. Mais bah, viens, connu, je te tapais une petite coupe sur quinque. Son nom, on le connaît? Bah, il s'appelle Dédé. Puis quelquefois, on lui dit la balafre, évidemment. Pas d'autre, c'est bien lui. Ah, alors, Pierrot! Et regardez qui nous arrive! La tentation en personne! Mais tu t'es trompé de saison, fourrure. Dans 2 heures, le président est de l'autre côté. Tu peux l'avoir avant si tu veux. Ah, mais t'as quand même l'Apollo. Oh. Salut, Mataf. Salut, Polo. T'es au bide? Il y a 40 qui m'a dit qu'il me cherche. Viens t'asseoir. Non, je peux pas, je suis en double fil. Comme tu sais, Rosa a 20 ans. Alors, je voulais remplacer sa fourrure qui, paraît-il, se fatigue. Si tu avais quelque chose de bien, dans mes prix. J'en ai 3 qui pourraient convenir. Je les amène ce soir, mais pas avant 11h minuit.
sera où? Ici? À l'hôtel? Ou chez Simone en bas de l'avenue? Ah, je le trouverai. Dans les 60, ça ira. Je sais pas. Faut voir d'abord la marchandise. Il va de la jaquette, celui-là. À quoi tu vois ça, toi? Il regarde. Vous voudrais qu'il baisse les yeux? Justement, il baisse. Ça te trouble? Moi? Ça m'en a eu l'air. Lui, avec un mec, il a jamais voulu prendre par derrière. J'ai beau l'assister, il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a des mecs qui me demandent ça. Et moi, je ne veux rien faire si j'ai pas d'abord essayé avec Polo. Mais tout ça, c'est pareil. Parole, madame. Qu'est-ce que t'as à sourire comme un jésuite en me regardant? Rien. Ne fâche pas, Polo. Il paraît que t'es une affaire. C'est normal qu'il te reluque le pied en haut. Tu l'intrigues. Même moi, tu m'intrigues. Et ça commence souvent comme ça. Arrête, ma taf. Tu vois pas qu'il va nous faire une attaque, le Polo? Oh, mais c'est pas ça, je vous fais. Bon, parlons de choses sérieuses. Je vais m'asseoir, lui. Allez, pas, Jeannot. Et puis alors quand ça a été terminé, il m'a dit, regarde, tu ne croiras pas qu'il y avait un arc-en-ciel à la fenêtre. Moi qui avais peur qu'il te pique. J'ai bien peur que ça soit pire. Oh, il m'en a dit. C'est encore elle qui fait le fou. T'as filé combien? Je le désole. Je ne pourrais pas le faire payer. Je crois que tu peux être mesquine. Pourquoi tu crois que... Ah. Ça ne fait rien. Je ne regrette pas. Ça t'ennuie? Non, pourquoi? Rien ne t'ennuie, hein. Tu feras tout ce que je te dirai sans réticence. Regarde, le soleil est revenu. Voilà. C'est pour le client, allez. Tu l'avais? Non. Viens. Viens. Je suis l'éducatrice à la gardienne. Non, ça te gêne pas question. Fais par ici alors. De Dieu! Il m'a pas touché. Il a peur des maladies. J'ai voulu dire qu'avec la bouche, il y a autant de risques. Merde.
Prends ton argent. Non. Garde-le. Mais promets-moi. Tu sais quel jour je peux venir et à quelle heure. Oui. Tu te gardes pour moi, hein, compris? Hein? J'aime pas sentir le sperme encore chaud dans ton ventre. Je sais. Suis-toi le front, Carnage. Et va pas raconter que t'as donné du fric à la gardienne. Tu ne l'aimerais pas. Il était toujours pour le cinéma, Gilbert. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors, on va à un cinéma sec. Parfois, à sa campagne, après, j'ai mis à regarder des cassettes. Mon père était très amoureux du jeune roman. Évidemment. Et ça veut dire évidemment. C'est comme ça que t'as grand la vocation. T'es pas superstitieuse. Allez, ça, c'est le chapeau qui porte malheur. T'as le petit cadeau? Je vais pas accompagner d'avance.
temps. Tu ne m'aimes pas. Julien. Va-t'en, Julien. Va-t'en, Julien. Si je voulais partir... Tu as besoin de repos ? Non. Partir vraiment. Pour toujours. Pour toujours. Tu veux dire quitter le tapas ? Oui. Tu sais bien que tu es libre. Tu me demanderais combien? Combien? Beaucoup trop cher pour toi. Mais t'inquiète pas, je te renfermerai pas, c'est fini. Ça. Arrange ma cravate, tu veux? Faut travailler pour vivre. Beaucoup. Et où que vous alliez, nous saurions faire ce qu'il faut pour que vous ne trouviez jamais à travailler. Évidemment, il y a l'île déserte, l'eau fraîche, les petits oiseaux. Si ça te suffit, une chance sur mille. Tu viens toujours à la campagne dimanche ? Non. Tu m'en veux ? Si, si, tu m'en veux. Mais c'est pas gentil. Est-ce que je t'ai demandé avec qui tu partais? Est-ce que j'ai pas été discret? Et toi, comme ça, innocemment, tu poses les jalons. Et tu trouves ça juste. Je peux pas, Rosa. Je peux pas accepter qu'on me quitte. J'ai 50 ans, tu en as 20. Dans 5 ans, quoi qu'il arrive, je me mets au vert. J'en aurai assez pour finir mes jours sans craindre. Oh. J'ai jamais pensé que tu m'accompagnerais dans ma retraite. Tu as ta vie à faire.
J'ai espéré, c'est vrai. Des visites. De loin en loin. De moins en moins. D'ici là, ma dignité m'empêche de te laisser partir sans intervenir. Cinq ans. Encore cinq ans, tu feras ce que tu voudras, je te promets. Tu peux bien attendre cinq ans, non? Je vois pas pourquoi vous discutez. Qu'est-ce que tu veux, Polo? Qu'on se castagne? Je t'en ai pas le coup 10 secondes, j'aime pas la bagarre. Et toi, Mataf? Tu souffles dessus, il s'écroule. C'est ça que tu penses? On n'a jamais parlé comme ça, Gilbert. On n'a jamais parlé comme ça parce que sans Gilbert, vous contenteriez de vos tapins. Un minimum. Un tout petit minimum. Vous avez l'estime pour Gilbert, oui ou non? Oui. Oui. Alors faites-lui confiance. Tout ce que vous lui avez demandé, vous l'avez eu. Cette fois, c'est lui qui demande. Ça va, Jean-Loup. J'ai un autre plan. Je t'écoute. Toi, Mataf? Avance. Mon idée, c'est de rester en famille. Au lieu de semer la panique en force comme d'habitude, on va envoyer notre bataillon de dames. Pas de forcing, pas de coup de poing, du charme. Du charme et du bonheur. Genre un élève conciliant. Y a rien de plus efficace. Et pour nous, comment tu vois les choses? Surveillance douce et de loin. Tu veux pas nous dire ce qui te tracasse, Gilbert? Excusez-moi, monsieur, mais il y a une urgence. Hein. Bien que je te parle. Et le reste, Mathilde Ville, elle a commencé par les gros calibres et puis maintenant, elle est petite hyper. Parce que c'est méprisable. La personne ne la méprise pour ça. Seulement, elle est moins demandée, alors elle vend de la cam pour se faire du pognon, puis alors là, c'est un peu trop, là. Ben, c'est déjà fini, ce conseil? On parlera du conseil plus tard. Gilbert ne tourne plus rond, et nous, on considère que c'est très grave. Ah ah ah, c'est rapport à vous, ça. Mais tu as appris quelque chose, Caron? Tu savais pas que je sais lire dans les tarots? Si Gilbert déconne, c'est à cause de Rosa. Nous, avec Polo, on n'a pas envie de couper dans ces conneries. Rosa, elle peut mijoter ce qu'elle veut.
Ça ne nous regarde pas, tant que ça ne menace pas notre bistec. Si on a bien compris entre les lignes, Rosa, elle voudrait se tirer. Et Gilbert, ça le rend malade. Il est prêt à n'importe quelle connerie. Rosa a besoin qu'on la raisonne un peu, pas l'avantage. Et il faut nous aider. Dis donc, tu sais ce que tu nous demandes, là, Polo? Donner une copine. Donner, donner. Mélange pas tout, 35. Il n'est pas question de donner. Il est question de nous aider à faire la lumière. Oui, oui, je vois qu'il faut qu'on soit plus clair. Eh bien, faites toute la lumière que vous voudrez, mais nous, on n'est pas des ampoules. Voilà. Rosa, c'est sacré pour nous. Non, mais dis-toi. C'est vrai, ça s'est déjà vu des cas comme ça. C'est un problème entre elle et Gilbert. Il n'y a qu'à faire un conseil avec tout le monde, si vous voulez. Nous, on veut bien servir de témoin ou d'arbitre. Mais rien de plus. Non, mais des fois. Laissons tomber, Polo. Il n'y a rien tiré de ces greluches. En plus, elles sont beurrées comme des coins. Non, mais dis donc. Oui, on a vu. Oui, on a vu. Et tu sais pourquoi? Tais-toi, 40, tais-toi. Parce qu'il y a un mec qui nous a demandé toutes les dents, genre, mais j'ai refusé. Et tu sais ce que c'est quand je refusais à mon âge, dans mon métier? C'est parce que je suis puni, moi. Puni. Mais t'as pas fini de nous faire tuer. Elle est allée faire un tour chez Simone. T'en es sûr? Ben oui. Tu sais ce qu'on va faire, Mataf? On va lui foutre une sacrée trouille avec ton pote. T'aider là-bas. Ouais. Ah, bravo. Pas comme ça, là, tu te poses un peu là. Tu vois pas qu'il les a bluffés? Pas comme ici. Évidemment. Elle est partie avec son peintre. C'est pas le moment qu'il la passe. Essaie de les retrouver. Et dis à Rosa de se planquer tant qu'on n'a pas retrouvé Gilbert. Si je les retrouve pas, je serai au manège. Chez moi, il y a une femme. Je te l'ai demandé. Il s'est passé quelque chose entre nous, Rosa, non? Quand je dis nous, je sais, je ne vais parler que pour moi, mais enfin. Écoute-moi bien. Je me balle pas s'il le faut. Écoute n'importe qui pour t'avoir. Parce qu'aujourd'hui, je ne savais même pas que j'y vais. Tu sais, pareil, c'est comme une noix. C'est abruti, mais ça rend pas vraiment malheureux. Alors tu te dis que ça changera, que ce soit avec elle ou avec une autre. Mais justement, aujourd'hui, moi, j'ai une certitude. Pour la première fois de ma vie. Je vais plus continuer comme ça. Je te parle pas d'amour. C'est bien que ça te ferait rien. Je te parle juste de vivre autrement. Et c'est pour ça que je te quitterai plus. Parce que je pourrais plus vivre comme avant. Comme avant toi. Ni toi ni moi, ils pourront plus rien, moi, ça. Ça, tu peux le comprendre, non? Rosa, regarde-moi. Rosa, dis-moi au moins ça. Tu peux comprendre que j'ai arrêté comme avant. C'est pour ça que je te traite plus. Dis-moi au moins ça. Tu peux comprendre? Je te parle juste de vivre autrement. Parce que je peux plus être comme avant. Comme avant toi. Pas d'amour, tu vois. Rosa, regarde-moi. Rosa. Pas une tribune ici.
La seule tribune, c'est la rue. L'Arche. Eh bien, vas-y donc. On retourne en Indochine ou en Algérie. Il y a encore à faire là-bas. Qui a dit? Mais tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi? C'est le peuple le plus faible. C'est quand tu as besoin de liberté. Tu réclames le tyran. Deux pressions, deux. Parce que l'autorité est si large, avec sa violence. Organisée, oui, madame. L'obéissance et l'ordre ne sont pas nécessaires pour une respect mutuelle. Mais ça suffit. C'est comme tu veux avec la politique, mais pas avec mes clients. C'est pas ta cliente. Figure bois. C'est la mienne. Thank you.
Mettez ça dans le placard. Allô, tu permets? T'as très tranquille, ça ira? Largement. C'est ça, qu'est-ce que c'est? Coup de poing américain. Pour l'embarquer. Super! Ouais! C'est Pierrot. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il a rendez-vous. Descends. Tu feras planquer tout le bardage comme un soir. Si on me demande par rapport à ce que tu sais, je ne suis pas joignable pendant 48 heures. Dans le prêt-à-porter, imagine-toi. C'est pas de la bricole. Hein. Combien celui-là? 60. Je peux pas, Pierrot. Tiens, voilà, 30 000, je peux pas l'avantage. J'y perds, tu le sais. Je sais, je sais. Je te volerai ça plus tard, en liquide ou en service. Justement. Oui. Gilbert, c'est Polo et le Mataf. Bonjour, Steven. Alors? Bon, la fourrure, j'en ai ma claque, alors j'ai ouvert un sauna, puis j'ai mis un petit gant en attendant. Quelqu'un de bien? Assez, oui. J'ai des problèmes. Tu comprends, faut arroser tout le monde. On a vu Rosa. Et alors? Elle est allée vers l'hôtel avec le môme. Il est qu'il ne fasse rien. Je m'en occuperai moi-même. Alors c'est quoi ton compte de fait? C'est un bon petit gars, je peux lui faire confiance. Enfin, pour une fois que je m'entends bien avec quelqu'un sur tous les plans, tu vois ce que je veux dire. Mais il a pas un rond. Alors, je suis en train de bouffer mon capital à force de filer du fric par-ci, du fric par-là. À long terme, ça va me poser quelques problèmes. Voilà, moi j'espère que ça ira. Toi, une femme fait d'abord ça. On n'est plus nuque ni avec toutes les cloches sur le dos. L'habitude très réservée pour Gilbert, je ne mets jamais avec le client. Je m'en pas. Je suis sûr que toi.
Déshabille-moi maintenant. Vraiment? Tu vas me rendre un grand service. Tout ce que tu veux. Tu le jures? D'accord. Après, tu pourras plus te dédire. Je le jure. Ouvre le linge. Prends-le. En gardant le linge autour. Quoi on joue ? Je joue pas. Quand tu auras fait ce que je t'ai demandé, tu sauras bien partout où tu aurais pu laisser des traces. Sur les meubles, sur le bois du lit, sur la poignée de la porte. Rosa ? T'as peur, hein ? Non. Je comprends pas. Et voilà. Tu vois ce couteau ? Tu vas me l'enfoncer dans le ventre d'un grand coup, sans hésiter. T'as compris ? D'un grand coup. Mais je pourrais jamais. Tu verras plus rien. N'aie pas peur. C'est pas pour mourir. C'est juste pour avoir une chance. Une chance sur deux. Explique-moi, Rosa. Explique-moi, s'il te plaît. T'as juré. Tu sors, tu fermes ma clé, tu descends jusqu'en bas, tu sors sans te faire voir, tu fais semblant que je t'ai jeté la clé par la fenêtre, tu vas au standard, tu leur donnes la clé. Ils monteront, ils me découvriront, ils m'emmèneront à l'hôpital. Et là, je verrai, il n'y a rien à craindre. Ah oh. On t'attendait, Gilbert. Tu vois, on n'est pas monté. Je m'entends ça. On a toujours été d'accord là-dessus. Rosa ne dépend que de moi. On s'en serait pas mêlé, mais un mineur, il y a trop de risques. Vite ! Elle est blessée. Tu l'as dit qu'elle a piqué ? Attends, va chercher le toubib. Pourquoi elle m'a fait ça, Caron ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ne dis rien. Repose-toi, c'est moi qui vais parler. D'accord. Te plaît? C'est mon cadeau. C'est pas pour ton anniversaire. Et c'est pas pour ton anniversaire. C'est pour fêter ta liberté. C'est chaud. J'étouffe. Tu vas
pas dû me croire. Tu n'aurais pas dû m'écouter. On parle souvent pour toi de l'importance. Bon, on l'a posé. C'est toujours plus ce que tu me disais, Gilbert. Ça m'a toujours fait chier. Quelle heure est-il? 9 heures. C'est pas ça. Je me déjà la chaleur. Tu débouffes la fenêtre, tu veux. C'est pas recommandé, Rosa. Dors un peu, pour me faire plaisir. J'ai pas peur. Mais de quoi, voyons? S'il te plaît, t'oublie pas.